Et bonsoir à tous, c'est Twinsen. Bienvenue dans ce live Twitch. Une fois encore, un live découverte, totale découverte, aussi bien peut-être pour vous que pour moi. En tout cas, ça l'est pour moi. On est sur Age of Eternity, un jeu de Midgar Studio, un jeu français qui est sorti en plusieurs parties entre 2018 et 2021 sur PC et qui est depuis hier disponible sur PlayStation 4. Bonjour, bonjour, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Salut à tout le monde, salut, salut, salut. Alors, pour le moment, j'ai pas le chat, je vais essayer de le mettre. N'hésitez pas à faire un petit coucou, on va essayer de découvrir le jeu en même temps. Allez, sans plus tarder, on va lancer. On va regarder du coup les paramétrages. Donc bienvenue à tout le monde. Hein. Voilà, c'est un live un petit peu improvisé. En tout cas, je suis complètement hypé. La musique déjà me met en transe. Alors, on va regarder un peu les options parce qu'il y a des choses là qu'il faut tout de suite régler. Sinon, ça va pas le faire du tout. Alors, ça, on s'en fout. Alors, comment ça va laisser la pâte graphique? On va voir. Ok. Il y a du flou cinétique. Alors, on va l'activer. Allez, alors, on est sur PS4 Pro. Essayons de se faire plaisir jusqu'au bout. Alors, confirmer les modifications. Oui. Voilà, c'est bon. Et donc, le plus important, voilà. Les langues. Alors, moi, je joue pas un RPG japonais. S'il est en anglais, je ne peux pas. Ou disons, je ne peux plus. Donc voilà, Nihongo, c'est parti. Voilà, donc on va lancer le jeu, on va voir comment ça se passe. Et puis ensuite, je vous reprends en commentaire. Allez, à tout de suite, c'est parti pour l'intro. Difficulté normale, voix, taille des sous-titres, x1. On est parti. Bon, alors on a droit pour le moment à un super écran noir. Ah, ça y est, ça démarre. 30 ans avant, 金属 de できた奇妙な飛行船がこの地に飛来した。乗員の正体も目的もわからなかった。友好的だった彼らは非凡な技術を俺たちに分け与えてくれた。ヘリオンは栄えた。一時的に。ある日突然俺たちは見限られた奴らの先制攻撃によりジュノールは一夜にして跡形もなく消えた俺たちは己の無力さを思い知らされた残った国々はコンソートの機関に入った奴らに対抗するにはそうするしかなかった無数の犠牲と無意味な虐殺に何年も耐えた後形勢が変わり始めた俺たちに希望が戻り始めたでも敵はまだ切り札を用意していたんだ腐食病だLa corrosion。Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben voilà, un contexte assez déjà spatial. Hein. On est clairement dans le jeu de Takahashi. Alors oui, pour ceux qui ne savent pas, j'en ai parlé dans le petit message, dans les posts que j'ai mis un petit peu partout. Ce jeu est développé par Midgar Studio. C'est leur premier jeu. C'est des Frenchies, c'est des indépendants qui ont eu voilà le rêve fou de réaliser leur propre JRPG dans la lignée à la fois de Final Fantasy mais aussi de la saga Xenoblade, donc les jeux de Takahashi hein, pour ceux qui connaissent, créateur également de Chrono Trigger et Chrono Cross. Ce qui est complètement dingue, c'est que ils ont même réussi à avoir Mitsuda, c'est-à-dire le compositeur de la saga Xenoblade et de la saga des Chrono Trigger, Chrono Cross et d'autres jeux légendaires, ils l'ont sur ce jeu en symphonique. Voilà, bon, il est avec un autre compositeur français
qui est inconnu au bataillon, pour, en tout cas pour moi. Mais voilà, c'est complètement fou, mais voilà, l'idée, donc on peut voir déjà dès l'intro qu'il y avait cette intro qui était très similaire à celle de Xenoblade X, avec un truc venu de l'espace, avec quelque chose de très politique. On pose les bases d'un lore qui, je l'espère, sera bien, bien travaillé. Alors, on n'est pas dans un triple A, hein, juste pour info, donc ne vous attendez pas à une résolution, enfin une réalisation de malade. Bon, déjà la pause là, on voit, c'est une espèce de Shulk de la bande, lui. Ah, direct on commence là, système de combat. Ok, alors bienvenue dans le système de combat d'Age of Eternity. Alors pour info, ce jeu est dispo en version physique, puisqu'il est édité par Just for Games, qui est un éditeur français, à la différence de ce que peut sous-entendre son nom. Il est sorti hier, vous pouvez l'acheter pour 39,99€. Franchement, même si le jeu il est moyen, ce que je ne sais pas encore, à ce prix-là, vous n'allez pas prendre beaucoup de risques. Alors, donc, bienvenue dans le système de combat d'Age of Eternity. À chaque fois que vous toucherez un ennemi dans l'air de jeu, vous entrerez dans une phase de combat. Ok. En combat, votre but est de triompher de vos adversaires. On atteint les deux de 0. Ok. Le statut de vos personnages est composé de 3 jauges. Énergie, magie, ATB. Ah, il y a un ATB. Ok. Blanche et rouge. Ok. Si le PV de tous les personnages tombe à 0, vous perdez le combat. Donc là, typiquement, on est dans du Final Fantasy. Lors du combat, la barre d'ATB se charge. Lorsque la barre d'ATB unité est complètement chargée, c'est à son tour de jouer. Ok, là aussi, système d'ATB hein, hérité de Final Fantasy 4, si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, qu'on retrouve depuis chaque épisode. La barre d'ATB ne se charge plus tant que l'unité n'a pas choisi d'action. Ok, donc c'est un tour par tour souple. Ok. Quand c'est à votre tour, c'est à vous de choisir une action. Ok. R2 pour ouvrir le menu des actions. Ah, c'est un peu curieux, pourquoi pas. Ok. Appuyez sur X pour sélectionner attaque. Ok. Raccourci, très bien. Maintenant, sélectionnez votre cible avec la croix ou avec L et confirmez. Ok. Donc, on est typiquement dans du tour par tour. Hein, mais bon, avec un chouette dynamisme, je pense, puisque le jeu est inspiré aussi en partie de Xenoblade. Je sais pas, en tout cas, de ce que j'ai vu des bandes annonces, il y a une énorme touche Xenoblade dans l'exploration. Pour le système de combat, ça a l'air d'être plus Final Fantasy, mais on va voir. Voilà. Donc, l'ATB de votre ennemi est rempli, c'est à son tour de sélectionner une action. Ok, très bien. Donc là, pour le moment, il n'y a pas de. J'ai pas vu de touche en QTE, genre parer ou des choses comme ça. On a un seul personnage, sort, est-ce qu'on peut s'amuser à faire des sorts? Est-ce qu'il est magicien? Non. C'est un pur combattant pour le moment. Alors, avancer le temps, ok, donc on peut accélérer le truc, très bien. Bon, le menu est assez clair, je trouve. En haut à droite, il y a plein d'icônes, c'est assez petit, c'est un peu dommage. À voir. Donc on va continuer, passer le tour, déplacement, attaque. Alors, on continue à attaquer. Ah, donc 46 hein, pour le moment, ce qui est très raisonnable. Toujours pas de garde, même pas automatique. Ok, donc voilà, pour le moment, bah, rien de folichon. Voilà. Ah, il m'a quand même bien entamé. Hein. Voilà, bon. Ensuite, cinématique, je suppose. Ah, la petite musique de la victoire, pas de danse. Vous avez gagné votre première bataille. L'écran de récompense apparaît. Ok, donc la classique. J'ai victoire, tatata, on gagne de l'expérience. Ok, de la même manière, vos armes... ok, très bien. Ah, les armes se renforcent avec les combats. Curieux, il n'y a pas que le personnage. Ok, pourquoi pas. Alors, vous gagnez des R, la monnaie locale. À chaque combat remporté, vous pouvez l'utiliser pour acheter... Ok. Ok. Donc pour le moment, rien de nouveau sous le soleil pour les JRPGistes. On est en terrain archi connu. Vos récompenses sont affectées par votre classement de combat et les objectifs annexes que vous avez accomplis. Ok. Ok.
N'hésitez pas à faire à mettre un petit message, à faire un petit coucou. Je vois qu'il y a du monde. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens. J'ai pas vu qui avait écrit le premier message. Je suis désolé, le chat marchait pas encore. Si la personne qui a écrit veut bien redire bonjour, peut-être que je la connais. Ok, donc la troisième personnage, peut-être personnage féminin d'un triangle amoureux. On va bien voir. Salut Cookie, effectivement je te connais. On est dans du pur seiyuu là. Yamete, kudasai, comme adore Igloo. お前まだ彼女面してんのかよ。ダリオンに興味ないって言われてただろ。形勢逆転したのよ。ね、私には引き付けてないで手伝ってよ。形勢逆転？何があったんだ？はいはい、また虫ね。ダリオンがデートしてもいいって。もういいや。はあ？いつ？ Autant le héros il a vraiment la tête typique des JRPG, autant le on sent quand même la petite touche occidentale sur le deuxième personnage masculin. Elle aussi elle est assez piquante, c'est pas trop dans les, on va dire, les schémas habituels. C'est, on va voir un peu comment la touche Frenchy a influencé un petit peu cette entre guillemets singerie de jeu de narration japonaise. ないよ。使えないわね。これはオルドアテだ。お？それからダリオンにも妹さんからだ。どうも。悪いが、これで終わりだ。でしょうね。外は寒くてな。休ませてくれ。急いで司令部に戻るなんてごめんだね。 今みんな、ピリピリしてるんだ。なんで？さあな。まあ、最近脱走するやつが多いしな。脱走兵への処遇なんてどうせ決まってるくせによ。大規模な反撃の準備をしてるらしい。実行日までは知らないが。ダリオン、顔色が悪いぞ。 Donc déjà, là, on voit que entre guillemets, ils essaient de faire quelque chose d'un petit peu plus adulte. Les personnages ont quand même, ils n'ont pas 15 ans, quoi. Ils sont un petit peu plus vieux. Et on commence pas dans un village, on va dire, avec une, voilà, un lore de départ, un village calme, isolé du reste du monde, avec un héros qui se découvre suite à une tragédie indestinée. Là, on est d'emblée dans la guerre. お気に入りなんだし、認められるかもよ。もう何ヶ月も認められてない。コラは俺を休ませてなんかくれない。でも、お母さんが。お母さん。けど、どうすりゃいいんだよ。 Une très belle déco par terre là, très chouette. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ou qui voudraient s'intéresser par rapport au développement, comment des petits Frenchies indépendants peuvent développer un JRPG avec le coût que ça demande, voilà. Ben, en fait ils l'ont sorti en différentes parties, en chapitrage sur PC. Donc du coup le chapitre 1 est sorti en 2018 et le dernier chapitre, le chapitre 8 qui a clôturé donc le récit, est sorti en 2021. Voilà, donc du coup finalement la version console c'est un petit peu la version définitive une fois que le jeu est enfin terminé. Et donc pour info, là, on est sur PS4 Pro pour ceux qui arrivent en cours, et on est en version 1.02, c'est-à-dire qu'il y a déjà un patch Day One. Mais bon, on peut espérer que le truc soit pas trop dégueulasse, vu qu'il a, entre guillemets, en théorie, été patché au fur et à mesure de la sortie PC. Donc à part des bugs inhérents au portage console, normalement, tout ce qui est passage de mur, plantage d'IA, etc., on ne devrait pas tomber dessus. Croisons les doigts.
Oh, tout le monde, il a mouru. Et là, les vaisseaux juste au-dessus. Voilà, pour info, la PS4 Pro, je sais pas si vous l'entendez, mais elle ventile pas mal. Ah, mais direct du mecha, quoi. Direct, pas de chevalier, pas de... Ouais, normalement, on commence par des... Les petits ouche-trous, quoi, la chair à canon. Là, direct, un boss, quoi. En même temps, là, ils sont 4. Alors, niveau framerate, comme vous pouvez le voir, on oscille entre, on va dire... 25 et 30 images par seconde. C'est plutôt stable, même si ça a quand même un petit peu baissé là depuis la sortie dehors. Alors, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, généralement, le propre JRPG, hein, les systèmes de combat ne sont pas débloqués d'emblée. Il faut avancer parfois des heures. Dans les Xenoblade, il faut quasiment avancer pendant tout le jeu pour débloquer voilà, les différentes possibilités, les actions de déplacement, etc. Alors, donc, lui, comme par hasard, il s'est soigné. Voilà, déplacement. Donc, on va le déplacer. Donc, le déplacement, déjà, ok, c'est une touche. Enfin, c'est un tour. Ok. Donc, raccourci. C'est pas mal l'idée du raccourci parce que ça évite de se planter, de choisir la mauvaise action et de valider avec un seul bouton unique. Là, c'est chaque action est assignée à un bouton. Donc, on a moins de chances de se planter. Alors, après, je vois qu'il y a un damier. Alors, ça, je suis moins fan. Je vous avoue, les damiers, ça fait un petit peu tactical. Je suis pas du tout tactical, mais bon, on va essayer. On sait jamais. Sélectionner l'emplacement, vous pouvez déplacer et maintenir un pour sélectionner l'orientation finale de votre personnage. D'accord. Donc il y a aussi une orientation. Donc là, je vais orienter pas au bon endroit. Alors. Ok, donc là, on a magie de feu. Ouais, ça aurait été bien d'avoir la foudre, mais pourquoi pas. Alors, falfeu, ok. Bon, je sais pas si c'est le thème de combat, je pense pas, mais en tout cas, la musique pour le moment passe bien. Passe même très très bien. Vous entendez, il y a une chorale, quoi, ce que je kiffe, donc voilà, je suis heureux. Attention, fais le feu. D'accord, donc pour se protéger, c'est passer le tour. Ils se mettent automatiquement en défense. Ok, donc lui, il va attaquer. Ok, allez, attaque ma poule. Tiens, dans le huc. Donc toi, t'es en renfort, tu vas nous faire... Ah ! Non ! Ah zut, je me suis planté. Et voilà, ça m'apprendra. Explique qu'on peut pas se planter avec les touches et moi je me plante. Bravo Twinsen, bravo. Et oui, c'est toujours du live 100% qualitatif, hein, comme vous pouvez le voir. Au passage, hein, je sais qu'il y a beaucoup de gens de Facebook, de GameKyo et de la page de Game Forever qui viennent sur mes lives, donc je vous remercie. Je vous invite bien sûr, si vous aimez mes lives et aussi de la compagnie, hein, bah, à rejoindre les différentes chaînes, donc, et à vous abonner si ça vous plaît, bien sûr. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez voir la suite de ce jeu, à vous abonner en mettant la petite cloche en dessous du player. Alors, donc, du coup, toi, est-ce que tu as des sorts? Ouh là là, ouais, coup du bouclier, pourquoi pas. Allez, il ne vise plus. Essayons. 47, ouais, raisonnable. Donc là, il va le défoncer, lui, par contre. Oh là là, direct le magicien, il a pas aimé le sort de tout à l'heure. Alors là, du coup, on va essayer de pas se replanter. Et, ouh, tu as des nouveaux soins. Alors, on voit que s'il est en mauvaise posture, c'est lequel, s'il ? Je sais même plus.
Zandra, Zordo, Zandra. Ah zut, je suis pas assez prêt. Comment faire? Ah mais attends, c'est pas lui, Syl? Non, c'est pas lui. Non, Syl, c'est... Non, c'est juste le héros, ouais. Non, c'est Darion, le héros, pardon. Donc Syl, c'est la fille à gauche qui s'est fait taper tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire... feu glace, feu haut... Allez, essayons la glace pour le fun, mais bon. Idéalement, ce qu'il aurait fallu, c'est avoir la foudre. Allez, et donc du coup, toi, est-ce que t'as des sorts? Oui. Alors, ce qu'il appelle, lui, il a les attaques enchaînées, d'accord? D'accord, hop. Ah ouais, donc il y a vraiment un temps de concentration qui est assez important. Bon, lui, pour le moment, il n'est pas visé. Hop, on y va gaiement. Ah, c'est un bon sac à PV, hein, quand même, pour un premier boss. Quand tu veux, ma poule. Hein. Et donc, Syl, est-ce que je peux te déplacer, Syl? Changer personnage, action, déplacer. Et tu vas aller te mettre à droite. Alors, j'ai pas choisi la bonne orientation, zut. Donc, du coup, elle est de dos. Ah, il va vraiment falloir que je prenne l'habitude là. Action. Ok. Tac. Ça peut être pas mal comme système parce qu'il y a à la fois de la souplesse, de la polyvalence, une certaine polyvalence entre les différents profils. Il y a de la complémentarité parce qu'ils ont chacun quand même un rôle. Hein. On a le tank, on a le magicien, on a le healer, et puis d'un autre côté il y a plein de subtilités comme se tourner dans dans la bonne orientation, etc. Donc il y a un côté tactique qui est pas mal. Ah, lame de foudre, ça c'est intéressant, essayons ça. Ah, 64, pas mal. Alors, coup du bouclier, du coup elle est trop loin. Action. Déplacement, passer le tour. Est-ce qu'elle se retourne? Ah, elle se retourne pas, la conne. Ok, je ne... Ah, faut vraiment que je choisisse son... Alors. Hop, ça y est, il a monté son ATB. Faut vraiment que je choisisse son orientation. Alors, l'attaque normale et compétences d'interruption peuvent amenuiser votre concentration. Lorsque la barre de concentration est vidée, le sortilège que vous avez entamé est interrompu et votre personnage perd son tour. Aïe, ah, yeah. Ça sent pas bon. Attaque enchaînée. Allez, on continue. Donc là, il faut vraiment que j'arrive à soigner la meuf là. Enfin, Syl. Voilà, parce que là, elle va prendre cher. Et donc, comment on fait pour... Je voudrais la tourner. Alors, non, action. Déplacement. Voilà. Est-ce que je vais la mettre? Je vais la mettre là. Hop. Et j'ai encore pas choisi l'orientation. Zut. Action. Déplacement. Faut voir. Mais là, c'est pas. Faut vraiment que je trouve comment on fait pour changer l'orientation. Parce que j'ai déjà oublié comment on fait. Sort. Pas de sort, enfin oui, je suis trop loin. Passer le tour. Et donc, lui, c'est quand il veut hein, pour s'y mettre. Allez, mes petites poules. Voilà, c'est tout. 42. Mais non. Ah non. Ah non, ça, c'est pas bon, ça, par contre. Pourquoi il a fait ça? Alors pourquoi il a fait ça? Je sais pas. Allez. On va la voir. Hop. On va se concentrer. Action. Tac, tac. Allez. C'est marrant, le monstre attaque ceux qui sont derrière. Action. Déplacement. Ah oui, parce que du coup...
Voilà. Et donc sort soin. Soigner Zandra. Voilà. Sors. Ah mais putain, tu peux rejouer toi? Est-ce qu'elle peut se soigner elle-même? J'en ai l'impression. Et donc, enchaînement du tank. Ah, il tape quand même bien lui, hein. Ensuite, toi, du coup, tu vas te déplacer, tu vas revenir par là. Voilà. Donc, il faudra vraiment que je regarde comment faire l'orientation, parce que je n'ai pas chopé le truc. Hop. Non, ça va, lui, il n'est pas blessé. Donc, on va attaquer. Hop. On est parti. Je suis désolé, là, pour le moment, je vais un petit peu doucement. Hop. Action, non, t'es pas assez. Eh ben, tu vas avancer. Voilà. Ça y est, on commence à attaquer les héros. Oulala, oulala. Et ça fait mal. Voilà. Hop. Attaquer. Vas-y, déchaîne-toi sur lui. Ça m'arrange. Hop. Attaque. Ouais, pour le moment, il tape pas ouf. Hein. Ah, sort. Donc, du coup, il avait pas aimé le feu tout à l'heure. Hein. On va rester sur du feu. C'était bien ça. Donc, du coup, après action. Ah, lame de foudre. Allez, hop. On n'avait pas assez de PM. Zut. Alors action. Action, potion. Ouais, d'accord. Comment je fais là? La croix du bar. Ok. Ok, donc là il se soigne avec la potion. Très bien. Donc, pour le moment, on s'y retrouve. Par contre, c'est bizarre ça. Ouais, sa barre ne remonte pas tout de suite. Comme s'il fallait attendre la fin du tour. Ah bah super, bravo. Ah bah ça commence bien. On commence là direct, on a perdu un perso. Remboursé. Alors du coup, attaquer. Elle peut plus faire sa super attaque bouclier là. Ok, mais bon, là presque. Allez, il va nous faire une attaque spéciale, il va nous sortir un pouvoir de sortie de je ne sais où. Allez, attaque. Voilà, très bien. Et donc toi. Alors c'est vrai que voilà, j'ai compris pourquoi en fait. Non, tout à l'heure je disais que ça remontait pas, mais en fait non. Je confonds la barre d'énergie qui est en vert, c'est quand même suffisamment flashy pour qu'on le voit, avec la barre d'ATB qui est en blanc. Voilà. Et comme la barre d'ATB est beaucoup plus grosse, je prends ça. Cognitivement parlant, je prends ça pour la barre d'énergie. Allez, donc du coup. Allez, on y croit. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Une petite attaque finale là? Même pas. Pouf! Oh la déception quoi. Alors, toi, ah bah voilà, coup du bouclier. Ouais, bon super, elle fait 9 points de plus. Et donc, lui. Voilà, tranquille, son petit 36, hein. Par contre, lui, ouais, on va le mobiliser. Ah non, j'ai plus d'énergie. Zut, bon, bah 36, hein, tant pis. Ils font tous 36, là. Allez, on l'a presque terminé. Et bien, du coup, ce sera Syl qui va donner le coup de grâce.
Bravo, Sil. GG. Musique de victoire ou pas? Ah ben non. On va peut-être faire... Ah, succès, Arpenteur. Ah ouais, d'accord, il n'y a pas la petite scénette de drame. On va la voir. Elle philosophe pour un honneur. Non, elle est morte. On avance. Ah, c'est dommage, je l'aimais bien ce perso. Ok, la grenade de destruction, objectif, atteignez la montagne. Donc on est parti. On n'est pas encore lâché dans le jeu, hein, dans ce qui a vocation à être un open world. On est pour le moment dans la phase de tuto et de couloir. Donc on va découvrir un petit peu comment c'est construit. Bon, alors déjà, le bonhomme, il bouge d'une façon hyper bizarre. C'est là où on voit qu'on vient, on vient du monde des amateurs. Non, mais regardez ça. C'est bizarre, il bouge comme un vélociraptor. Enfin bref, c'est pas grave. Du coup, ils sont morts, ils sont pas morts. Ouais, si, ils sont morts, ils bougent pas. Ok, est-ce qu'on peut dasher pour le moment? Non. Ah, c'est vrai que framerate là. Oula! T'as dit qu'il y avait des xénos quoi. Ouais, je disais le framerate, ouais, il est bien, il est pas contre Smash Bros. Hein. Donc, je sais pas si le jeu est optimisé PS4 Pro. Attendez, je vais regarder ça. Non, il est pas entre guillemets PS4 Pro Enhanced. Donc, il est pas optimisé. Peut-être qu'après, plus tard, pour un patch. Donc, j'ai envie de vous dire, même si j'ai mis ma PS4 Pro par défaut en mode boost. Le rendu va du coup être similaire à une PS4 FAT. Voilà, ça vous donne un peu un ordre d'idée si vous n'avez pas comme moi une PS4 Pro mais une PS4 classique. Alors, donc là on a des drones, hop, ça nous attaque direct. Ok, donc les ennemis ne pop pas là, pardon, comme les vieux Final. Ils sont sur le terrain, on les voit et on peut leur rentrer dedans. Et donc du coup, qu'on en touche un, on a tous les ennemis aux alentours qui se ramènent. Là encore, on est en terrain ultra connu. Donc du coup, là, je ne peux pas avancer. Parce qu'il faut que je choisisse mon terrain. Alors, mode analyse, ok. Changer le mode de caméra avec la... Ok, donc il y a un mode rapproché comme ça. Un mode un peu plus dézoomé, ok. Montrer les objectifs de combat, ok. Et donc là, c'est quoi ça? Quand je fais R1, L1, c'est quoi? C'est la vitesse. Ouais, c'est ça. Parce que là, regardez, j'ai une flèche. Les vaisseaux vont tout doucement. Là, j'ai ma 4. Et ils bougent en mode... Même les bonhommes, là, regardez, ils bougent comme s'ils avaient pris 3 cafés. Ah, allez, donc pour le moment, hop. Est-ce qu'il peut attaquer? Non. Il est coincé par donc la zone rouge, mais pas atteignable. Ok. Donc là, ils sont l'un côté de l'autre. Très bien. Du coup, on va tous les avancer. Parce qu'elle, du coup, même en renfort, elle peut pas. On va la positionner un peu en arrière, elle, pour le moment. Donc forcément, oui, elle regarde à droite parce que j'ai pas fait l'orientation. Il va falloir que je retrouve ça. Hein. Hop. Alors, on peut accélérer, voilà, je pensais qu'on pouvait accélérer en cours de... Enfin, avant les combats, mais on peut même accélérer in-game, enfin, pendant un combat. Donc là, j'ai un accéléré à fond. Hop, déplacement. Ah, du coup, on peut la mettre là. Voilà, donc là, on va aller assez vite, hein. Ça va même un petit peu trop vite, ça saccade un peu les animations. Voilà, bon, comme ça, au moins, elle est replacée comme il faut. Lui, c'est parti. Tac. Voilà, donc on peut accélérer quand même, c'est la feature qu'il y a maintenant sur les vieux Final Fantasy quand ils ressortent dans les versions, enfin sur les stores modernes, notamment Final Fantasy 7, 8, 9, ils ont cette accélération. Il y a eu ça également, sur The Zodiac Age, l'édition PS4 de Final Fantasy 12,
qui, c'est vrai, avaient des combats très très longs. Et c'est vrai qu'on est maintenant à une époque où les gens sont très impatients, donc c'est vrai qu'un jeu long comme ça, un système de tour par tour comme ça long, ça peut en agacer certains. Mais moi ça me dérange pas personnellement. C'est vraiment juste pour vous montrer et pour essayer d'avancer quand même un maximum. Donc voilà, donc on voit des petits panoramas. Je sais pas quel moteur c'est, on dirait un peu du Unity, je vous avoue. Peut-être que je me gourre. Ah, regardez, s'il y en a qui connaissent un peu l'historique de Edge of Eternity, n'hésitez pas, hein, si vous savez par exemple quel moteur est utilisé et que vous voulez intervenir sur le chat, n'hésitez pas. Alors, est-ce qu'on peut accélérer le temps pendant les phases de déplacement? A priori, non. Ok, donc là, il y a un espèce de prêtre face à un bonhomme qui semble tout droit sorti d'un comics. Ok, donc ils sont déjà positionnés, soit, pourquoi pas. ATB de Seal, d'accord, pourquoi pas. Ok. Alors, caméra est trop proche, appuyez sur R pour passer en mode tactique. Ok, bon, tout simplement. Tout personnage qui se retrouve dans cette zone reçoit des dégâts. D'accord. Utilisez mode tactique pour avoir une vue d'ensemble. Utilisez L pour déplacer la caméra et R pour tourner. Bon, classique. Alors, du coup, ok, je vais passer menu d'action. On va la déplacer pour la mettre safe. Voilà. Comme ça, le sort apparemment ne suit pas. Il n'est pas fixé à ton personnage, il est fixé à la zone. Donc c'est là où on voit justement le côté tactique. Donc ça pourrait être intéressant. Ok, l'adversaire tourne le dos, donc du coup il va prendre plein de dégâts. On va le pénétrer à grands coups de lame dans son huc. Voilà. Dégâts en rouge indique que vous avez infligé des dégâts supplémentaires. Ok, donc on a fait 5 points. Ah, 57 quand même. Mais c'est un sac à PV, donc du coup, voilà. Alors, est-ce que je peux revenir en arrière? Oui, on va lui faire plutôt coup de bouclier. Voilà, 75, très bien. Ouais, donc là, on va vraiment jouer aussi sur... puis les ennemis aussi vont jouer là-dessus. On va jouer un peu sur les déplacements et sur les contres avant-arrière, attaque de dos, attaque frontale. Ça peut être vraiment pas mal. Tac, du coup je vais le déplacer, je vais le mettre là. Voilà, bon la fille va prendre par contre. Et lui, est-ce que je peux l'emmener non, pas assez loin encore, ok. Puis comme il se déplace l'ennemi, c'est assez embêtant. On va accélérer un petit peu le temps. Et donc on va l'attaquer, c'est parti. Est-ce qu'on va casser sa concentration? Foudre divine, 39 quand même. Hop. Et donc là, on va se déplacer, on va le mettre en renfort de cils. Voilà. Non. Attaque, bouclier, très bien. Défonce-le, vas-y. Donne tout ce que t'as. Et voilà, tu ne le sais pas, mais tu es déjà mort, même pas. Alors, avancer le temps. Voilà, boum. Dans ton huc, Lulu. Donc, il y a des gens qui m'ont demandé ce soir si... Enfin, j'avais annoncé hier que j'avais acheté le jeu. Et donc, voilà, on m'a demandé si le jeu était sous-titré en français. Bon, pourquoi pas, il n'y aurait pas eu de français, bon, pour un genre, une sortie internationale, mais ça aurait été quand même gonflé, vu que c'est un jeu français. Je vous avoue, je pense que ça n'aurait pas été trop excessif en termes de coût, même s'ils avaient commencé à laisser directement sur l'anglais. C'est arrivé, hein, c'est arrivé parfois d'avoir des jeux français, pas disponibles en français. Mais bon, là, voilà, on a de la chance. Du moins, c'est un des petits avantages d'avoir un développeur Frenchie,
c'est de pas avoir à attendre une fan trad ou un patch officiel pour avoir le jeu en français. Bon, en tout cas, le prêtre du Sanctorium, il a une sale gueule. Hein. Oh là là. Ah, mais il nous suit. Il a l'air vraiment inclus à l'équipe. Alors, est-ce qu'on a accès au menu ou pas encore? Alors, pour le moment, pas de menu d'RPG. Voilà. Putain, non, franchement, il marche pas comme un vélociraptor, sérieusement. Bon, après, c'est un RPG. Ça n'a jamais été le fort des RPG, des animations. Je vous dirais qu'avant d'avoir une animation potable sur un Final Fantasy, il a fallu attendre... ouais, Final Fantasy XV. C'est-à-dire le dernier épisode sorti. Et c'est vrai que ça sent bizarre. Un peu bizarre de revenir un peu en arrière. Bon, on s'en fout, on va avancer. Donc déjà, voilà, hop. Ah, DTR, bien. Il n'y a plus de magie. Donc les bonhommes papotent, hein, comme dans tous les RPG modernes. Voilà, les déambulations sont l'excuse pour favoriser les échanges narratifs. Donc ce sera sa vocation en termes de mécanique à voilà, approfondir les relations entre les personnages, qui donnent leur point de vue, etc., leurs ressentis, leur état d'esprit du moment dans une histoire. Donc voilà, on est dans du classique. Et là, elle va se transformer ou quoi? Ah non, lui, il pète un plomb. Doshita. Ah, mais lui aussi, il va mourir. Oh là, mais il va nous rester qui, là? La rousse? Et encore, je suis même pas sûr. Il a la corrosion. Alors ouais, la corrosion, du coup, c'est pas des décors à la Breath of the Wild qui bloquent la route, c'est vraiment... ça attaque vraiment les habitants, quoi. Putain, il a une gueule, lui. Oh là là. Donc quand ils deviennent méchants, ils deviennent noirs. Je dis ça, je dis rien. Enfin bref. C'était la minute Zemmour, offert par Twinson. Je vous laisse lancer un débat là-dessus. Allez hop. Bon, eh ben, je sens qu'on va devoir le buter, hein. Donc là, il est en train de charger. Vite, 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 se déplacer, sinon il va nous défoncer. Hop. Alors, tiens, tu vas me... Comme ça, tu vas m'éviter. Je sais pas quoi. Ah, putain, il se... Ah, c'est sur elle. 37. Pouf. Impuissant, va. Attends. Et là, voilà, elle tourne à gauche. Putain, c'est un peu chiant, ça, par contre. Vas-y, défonce-le, s'il te plaît. Merci. On va accélérer le combat. J'adore quand il bouge là. Peach, please. Alors, est-ce que tu peux nous faire une belle attaque spéciale, toi? Genre, lance de glace, tiens. Oh là là, que d'effets spéciaux. Le bloc de glace, ensuite le petit coup de la lame et le truc qui pète, quoi. C'est dommage, là, je l'ai fait un peu vite, donc du coup j'ai un peu cassé l'effet. Là, on est typiquement dans de la japonaiserie pure, là. Alors, est-ce que tu peux nous faire autre chose de mignon? Qu'est-ce que tu peux nous faire, toi? Sort. Genre attaque de foudre. Ah, pour le moment, dans le menu, je vois pas trop si... Je vois pas d'icône qui m'indique les faiblesses, à moins que ce soit les... Si, il y a un espèce d'éclair là, mais je le vois pas trop.
Changer perso, ok, bon on s'en fout, il est presque cuit. Regardez les MP. Bon, bah voilà. Bon, bah moi je croyais que c'était son meilleur pote, son grand copain, son. Le mec qui allait nous suivre avec un look de merde jusqu'à la fin, mais non, en fait, il est trop moche, donc il est déjà mort lui aussi. Ça fait quand même la moitié de l'équipe de décimer. Allez, on continue avec notre Vélociraptor. Donc là, ouais, là, on sent la touche Mitsuda, là, clairement. Donc en plus, c'est pas du Mitsuda bas de gamme, c'est du Mitsuda symphonique. Le mec, il bossait en même temps sur ce jeu qu'il bossait sur Xenoblade 2, quoi. Alors, Darion. Ou Darion. Blablabla, ouais, blablabla. Daskete, Yamete Kudasai. Bon, par contre, c'est vrai que là, à 2, ça va être un peu plus âpre. Alors, comment on va faire? Tiens, qu'est-ce que c'est, ça? C'est quoi, ça? C'est un pistolet? C'est quoi? Déplacer. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que ça fait partie du décor ou est-ce que c'est utilisable parce qu'il y a. C'est surligné en jaune. Bon. Interagir, voilà. C'est quoi? C'est un poulet de canon? Ah, je crois que c'est dans l'autre sens. Ah ouais! Ah, très bien. Donc, du coup, voilà, on peut voir qu'il y a une gestion, enfin une utilisation des éléments du décor dans la stratégie de combat. Donc ça promet aussi ça. Il risque d'avoir des canons, des tourelles, des bordels un petit peu partout. Et ça va être pas mal. Alors peut-être que les ennemis aussi vont s'en servir contre nous. Ça sera moins drôle. Alors, est-ce que tu peux t'en servir ou est-ce que ça marche plus? Et a priori, tu peux plus t'en servir. Bon, là, j'ai plus de magie. Ok. Ok. Elle va se déplacer. Donc je peux pas aller plus loin, donc tu vas te mettre à côté d'elle. On n'avance pas à pas. Centimètre par centimètre. Alors, les rochers, nanana, les aires de combat comprennent parfois des éléments interactifs comme cette baliste. Essayez de l'utiliser, mais je viens de le faire. Alors, on va se déplacer, on va se mettre là. Voilà. Ah bah du coup lui son ATB va vachement vite. Du coup il rejoue. Est-ce qu'il va péter la concentration? Ah c'est quoi cet éclair? Il y a une barre d'état qui s'est rajoutée en violet. En rose, ouais rose violet. Je vois pas trop ce que c'est encore. Est-ce que tu peux revenir en arrière toi et aller à la balise? La baliste pardon. Et est-ce que tu peux t'en resservir? Oui! Elle est rechargée. Ah! Monsieur a bougé. Voyez-vous ça. Ah oui, d'accord. Ah, pas mal. Ah zut, j'ai loupé. Je l'ai défoncé à l'ancienne. Mais on aurait pu utiliser un. Du coup, une. On aurait pu utiliser le mur et le faire effondrer sur le bonhomme. Salut Blondex. Blondex, modérateur, pilier de Game Forever. Je vous invite à lire ce dossier et ses avis sur gameforever.fr. Il est un peu bizarre, mais il est sympa. Ah, Daskete, Yamete Kudasai. En plus, ça s'appelle un. Non seulement il est moche, mais en plus, il a un nom de merde. Il s'appelle Suppliant, quoi. Allaitement, j'adore. Ah, l'autre y revient. Je suis le plus normal, le plus équilibré du site. Bah, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Tu es un psychopathe, Bordex. Je te l'ai toujours dit. Si un jour les filles viennent chez toi et qu'ils me demandent ce qu'il y a dans ta cave, je dirais. Je sais pas. Mais j'avais un doute. Faire des verres bon sang, allez, dépêche!
Il y a David Bowie là, qui arrive là. Ouille. Allez, qu'est-ce que vous faites, blablabla. Bla, bla. Alors, donc là, on en est à... Ouais, on a déjà une heure de jeu, incroyable. Et donc du coup, on a commencé avec 4 persos, on en a déjà 2 de morts. Ah bon, bah voilà, c'est le tour de la rousse. Ah ouais, en mode tragédie là. Donc il va se refaire de nouveaux potes en fuyant cet endroit. Et il gardera le souvenir des 3 qui sont morts là. Et voilà, fallait s'en douter. Si elle était avenante dès le début, c'est parce qu'elle allait crever, forcément. Ça, c'est marrant, il est texturé. Il y a cette espèce d'ombre qui s'en va, on le voit un petit peu quand même. Donc c'est peut-être pas un mob normal lui, c'est peut-être un boss ou un personnage scénarisé qu'on reverra après. Oh la pause. Faut espérer quand même que le jeu après coup ait un patch PS4 N7 parce que c'est vrai que c'est un peu chiant. Là c'est pas catastrophique hein, mais c'est un peu dommage de pas avoir un bon 30 images secondes stable sur une PS4 Pro quoi. Putain la pose comme elle a dégaine du mec quoi. Donc là on va avoir la révélation qui fait que le héros va être choqué dans son moi intérieur et partir à la recherche de sa destinée. Il y a l'Empire ennemi qui arrive là. Donc là, il est en train de cramer tous les pros sadomasochistes là. Tous se sacrifier là, apparemment pour faire quoi un gros Kamehameha. Ah mais il faut toujours un petit bonhomme SM dans tous les jeux, il y a un petit bonhomme SM tout le temps. C'est la petite touche Frenchy, tu vois. D'accord, donc c'était pour invoquer une main pour faire couler le croiseur là. Ah, c'est vrai qu'il y a dans Pokémon, il y a pas. Alors ça, c'est de la dissertation. Parce que dans Pokémon, il y a un bonhomme SM. À réfléchir là-dessus. D'accord. Il reste plus que leur fringue, ils ont rejoint la force. Lui, il les a tous niqués. L'ascendance, il appelle ça. Bah rien. エリオンの全てのものへの希望、この恐ろしい世
Ouais. Voilà, c'est le moment de rupture avec son ancien... avec son ancien monde. Ils sont tous morts pour ça, Pas de SM, mais il y a Chelour, le Pokémon qui ressemble à Pédovir. Étant donné que je vois pas non plus ce que c'est que Pédovir. Mais il a un nom déjà qui est un peu tendancieux, je trouve. D'accord. Ouais, je demanderai à lui, c'est sûr que lui, Pédobir, ça doit lui parler. D'accord, donc là, on est plutôt dans... on n'est pas dans du combat. Ok, allez, dépêche. Bon, on est toujours dans la longue introduction du jeu, hein. On n'est pas encore lâché dans la nature, dans ce qui fait vraiment le côté Xenoblade. Pour le moment, on est dans la partie couloir introductive. C'est toujours un peu long, hein, les RPG, souvent, à démarrer. C'est très rare qu'un RPG soit vraiment dans le vif du sujet. Voilà, vous avez de très bons exemples comme Final Fantasy VII, par exemple, mais vous avez d'autres jeux comme... vous prenez n'importe quel Xenoblade, les 4 premières heures, c'est un cauchemar, quoi. Mais voilà, ça permet aussi de poser des choses, poser le système de combat, poser la narration, le lore. Donc c'est un peu le prix à payer pour ensuite avoir un univers, entre guillemets, plus dense, plus riche que dans les jeux d'action-aventure classiques. En espérant, voilà, que ça soit également le cas pour Edge of Eternity. Bon, lui, il a vraiment pas passé une bonne journée. Hein. Il a perdu ses 3 potes. Il est en mode Stallone. Cette guerre n'est pas la mienne. Ah, là, il est philosophe en plus. Voilà, là c'est le moment remise en cause. Il va se faire un auto-serment. Ah, bizarre, il n'y a pas de doubleur là. Manque de budget, je ne sais pas. Du coup, on revoit les personnages qui sont morts depuis le début pour que l'autre puisse continuer à avancer. Et voilà, ça démarre. Le logo, on croirait tout droit sorti de Last Story. Ah, c'est un peu bizarre la musique qui s'arrête d'un coup là. Ça fait un peu pchit. Alors je vois qu'il y a vraiment particulièrement du monde ce soir. Donc vraiment bienvenue à tout le monde. Hein. Donc pour ceux qui arrivent, on est sur Edge of Eternity, un jeu de Midgar Studio, un jeu français qui est sorti initialement en 2018 dans son premier chapitre. Et qui a été terminé en 2021 pour le 8e chapitre sur PC. C'est un JRPG français lourdement inspiré, fortement inspiré à la fois de Final Fantasy et de la saga Xenoblade. Et donc c'est un jeu qui est porté sur PS4 et qui est sorti hier, édité en version physique par Just for Games et dispo sur leur site à 39,99€. Donc voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est pour ça qu'il a des textures de peau, lui. C'est pas juste un mob, c'est un méchant.
Alors, il a un nom, je suppose. Bon, ça permettra au héros de se venger. Alors, apparemment, les voix. Bon, le. On, comme je l'ai dit, on est dans un jeu indé. Donc, avec un budget ultra modeste hein, par rapport à l'ambition du truc. Donc, là, par exemple, déjà, on commence à voir. Un petit écueil budgétaire, on va dire. Le doublage n'est pas tout le temps présent. Ah d'accord, moi je croyais qu'ils étaient copains, mais en fait pas du tout. Donc ouais, s'ils sont chacun, ils appartiennent à un camp. Trophée obtenu, ascendance. On est content. Donc pour ceux qui arrivent, hein, le jeu est donc là on est sur PS4 Pro, mais le jeu n'est pas optimisé, il n'est pas optimisé à PS4 Pro. Il est déjà en version 1.2. Voilà, il y a un patch Day One. Il fait seulement 36 gigas, ce qui est quand même hyper raisonnable pour un jeu de pour un RPG. Franchement, je m'attendais à pire. Et ouais, il s'installe vraiment super vite. Donc l'essentiel du truc est vraiment lu sur la galette. Non, je vous dis n'importe quoi. Il n'est même pas à 36 gigas, il est à 12 gigas. Donc c'est vraiment hyper raisonnable. 12 gigas pour un RPG en 3D. Franchement. J'ai des petits jeux indépendants, rien du tout, qui prennent largement plus de place que ça. Alors, c'est parti, chapitre 2, quelques semaines plus tard. Continent astréen, donc voilà, on arrive dans le monde ouvert, on arrive dans ce qui fait le charme pour moi des RPG, c'est l'exploration du monde, les villages. Et donc voilà, après la morne neige toute blanchâtre et tristounette, on arrive dans quelque chose apparemment de beaucoup plus coloré. Alors, ok, donc des petits plans 2D pour les dialogues, très bien, moi personnellement c'est ce que je préfère. Darion, ok, un jour et demi de la maison, ok. Très bien. Et donc voilà, on est dans le jeu, donc là on est typiquement dans du RPG, c'est marrant, ça fait très occidental finalement. Ils ont mis de l'eau dynamique, c'est pas mal. Pêcheur endurci. Alors là, on a des polices qui sont vraiment petites, mais je crois qu'on peut les augmenter dans les options. Dans Age of Eternity, le moment de la journée mérite peut influencer le cours des batailles. Tatata, résistance magique. Vous pouvez vérifier l'équilibre de ces deux éléments sous leur influence. Donc, a priori, il y a peut-être un cycle jour et nuit. Lorsqu'un élément est surligné, cela indique que les dégâts liés. Blablabla. Bon, en fait, voilà, c'est lié au temps. Donc, effectivement, il y a un temps chronométré à droite d'après les icônes. Bon, alors il y a. Un truc que je déteste dans tous les jeux, il y a une putain de mini-carte. Je déteste ça. Alors, est-ce qu'on peut enlever ça? J'espère que oui. Interface. Mode immersif. Oui. Ah, c'est quoi le mode immersif? Mini-carte, non. Sauvegarder partout, oui. Ah oui, c'est une sauvegarde manuelle. J'ai oublié de sauvegarder, moi je me connais. Alors le mode immersif, je sais pas trop ce que c'est. On verra, peut-être il n'y a pas de... Je sais pas, on verra. Ok, donc là il y a une espèce de gros chat. Le Nekaro. Petit clin d'œil à Neko. Neko en japonais qui veut dire chat. Donc le Nekaro ronronne fortement comme si aucun problème n'existait. D'accord. Donc a priori quand on avance, ah non c'est moi, juste moi qui plantais la caméra, je me disais il y a une vue subjective. Ok,
Les bateaux sont pas mal. Le sound design est pas mal aussi. Bon, il a toujours sa dégaine de Vélociraptor, mais ça, je crois qu'on va rien pouvoir y faire. Alors, d'accord, d'accord. Surligné pour les panneaux d'indication, ok. Donc, ah, donc il y a des quêtes, ok. Donc, quête secondaire, niveau de difficulté, ok, ok. Bon, pour le moment, vous voyez, je fais vraiment un petit tour du propriétaire. Un peu de clipping là, comme vous avez pu le voir là sur le truc. Et après, les textures sont assez basses, mais pour un jeu qui a été développé par je crois qu'il a été développé par très peu de gus en plus, ils étaient 4 ou 5, même pas. C'est de la folie quoi. C'est quand même du taf, c'est quand même un sacré taf. Bon, a priori, le bonhomme ne peut pas sauter, ça c'est un peu con. Ah, par contre, j'ai enfin accès au menu. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Principal, statut du groupe, changement de groupe, ok, le bonhomme. Cristal, ok, donc il y a un sphérié. Ok, d'accord. Étincelle de promptitude, onde de vigueur, braise de spiritualité, ok, donc là on est braise de vie. Ok, donc on est dans un sphérié, tout ce qu'il y a plus classique, équipement, ok. Donc a priori, hein, pour rappel, pour ceux qui sont là depuis le début, les armes augmentent d'expérience en même temps que les personnages au gré des combats. Voilà, c'est pas des trucs que vous augmentez en forge, a priori, si j'ai bien compris. Hein. Voilà, donc là il y a le côté tactical, hein, à la Fire Emblem. Toutes choses étant relatives, hein, parce que sinon je connais mon deck, s'il va me tomber dessus. Voilà, là on a un inventaire, ok, très bien. Ok, bon voilà, pour le moment c'est pas hyper dense, en tout cas, sans être le plus beau menu du monde, c'est assez propre. En tout cas, on s'y retrouve. Donc là, il y a toutes les caractéristiques de mon personnage sous forme de pyramide. Et pourquoi une pyramide, je ne sais pas. On verra peut-être avec les interactions des cristaux sur l'arme qui sont à droite. Donc a priori, on va pouvoir upgrader ça. Les quêtes, elles sont là. Ok. Bon, c'est pas très glamour, mais voilà. Un vestiaire, très bien. Bon, il n'y a pas de visuel. Ça, c'est un peu dommage, par contre. Ok. Et enfin, des costumes. Donc ça sent la foire au DLC. Espérons gratuit. Ok. Cycle jour et nuit, donc ça promet aussi d'avoir quelques petits effets d'éclairage sympas quand il fera nuit. S'il fait nuit, si je me suis pas gouré et que j'ai. Voilà. Oh, des petites planètes au fond. On voit quand même que ça vient du PC, hein, dans le style, la construction, le design, ça fait très PC. Ok, donc là on a une miss, ok, on est content, c'est une marchande. Lui, je sais pas ce qu'il est en train de faire, il est en train de déclamer avec des fruits là, non, des poissons. Ok, un autre chat qui a l'air tout content. Il est sympa ce petit porc. Non, vous voyez là, je le fais vraiment rapide, hein. Mais bon, le plaisir aussi des RPG. Ah, si on peut dasher, on peut dasher. Voilà, bon, jusqu'à présent, je pouvais pas, j'appuie sur R1. Ben, maintenant, on peut dasher. Donc, je disais, oui, le plaisir des RPG aussi, c'est d'errer, déambuler, de se paumer, de discuter avec un maximum de personnes. Donc, qu'est-ce qui t'arrive à toi? Pourquoi tu pleures? D'accord.
Je voudrais bien sortir. Par contre, ce qui est un peu con, c'est qu'on peut pas sauter. Ça, c'est hyper frustrant. Je suis plus habitué à ne pas pouvoir sauter. Parce que là, du coup, voilà, il y a des petits murs à la con. On n'a qu'une envie, c'est de les enjamber. Et non, on peut pas. Allez, on s'en fout, on s'en fout. Ton plat favori, mon dieu, ils ont rajouté une histoire de plat à la Xeno. Voilà, donc on va pouvoir faire des recettes. On est content. Ok, donc sa sœur, ok. Je t'ai laissé quelques affaires, on est content. Ok. Ah, la bitch. Prends soin du cristal. Ok. Ok. Ah, petit coffre. Voilà. Alors, on appuie là, on est content. Qu'est-ce que c'est à gauche? Appuie. Ok, oui, donc sélectionner grand emplacement. Bah oui, je veux bien, mais. Sélectionner le grand emplacement à cristal vide en appuyant sur X. Bah oui, bah j'appuie là. Et là, ça marche plus. C'est génial. Qu'est-ce qui se passe? J'y crois pas, le jeu il a planté. Sélectionner le grand emplacement cristal vide en appuyant sur croix. Eh ben j'appuie sur croix, bitch. Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, j'appuie sur F5. Mais sérieusement? Alors ça, c'est une toute première pour moi dans un live Twitch. Le jeu qui plante en plein tuto, eh ben ça promet. Bah bordel, j'en connais un, il va se foutre de ma gueule en me disant « Ah, tu vois, t'as encore acheté un truc de merde. » Sélectionner le grand emplacement à cristal vide en appuyant sur X. Bah j'appuie sur X. J'essaie de mettre de la direction avec les sticks en même temps. J'essaie de changer de bouton. J'appuie sur les R, les L, j'appuie sur la croix, j'appuie sur option, j'appuie sur le dash, il n'y a rien qui marche. C'est un truc de malade. Et je suis complètement planté. Mais lol. Bon, eh ben ça promet. Bon, de toute façon, on arrive à la fin de cette première heure de jeu qui est un petit peu débordée. Donc, désolé pour le final qui n'était pas du tout comme qui est en mode épique fell, mais alors bien bien fell. Je vais relancer le jeu, je verrai si ça plante ou pas à nouveau. Auquel cas, je ferai un petit erratum en disant aux gens, bah attendez qu'il y ait un patch parce que là, c'est n'importe quoi. Non mais là, ça me tue là, ça me tue, attendez. Sélectionner grand emplacement que ça veut. Bah oui, bitch. Allô, je veux jouer. Mais lol. Mais je sens que je vais aller les traiter là. Je vais relancer le jeu et si je suis encore bloqué, je vais les traiter direct. Bon, enfin voilà. Tout ça pour dire que merci à vous d'être passé. J'espère que en dehors de ce petit désagrément final, ça vous a plu, ça vous a intéressé. Bon, ça refroidit un petit peu là ce qui vient de nous arriver, donc on verra après quand ça se passe, quand je vais relancer le jeu. Je vous tiens au courant, n'hésitez pas en attendant à vous abonner, comme ça vous pourrez voir si j'ai réussi à me débloquer. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, salut.